Et donc, il lui dit, je vais demander à un collège de magistrats de réexaminer ce dossier. Et il ajoute, mais ne vous attendez pas à une réponse cet après-midi. Les mots sont importants. Et je pense que M. Morel savait ce qu'il disait quand il disait ça. Parce qu'implicitement, ça veut dire quoi? Il n'a pas dit, ne vous attendez pas à une réponse dans la semaine. Il n'a pas dit, ne vous attendez pas à une réponse dans le mois. Il a dit, ne vous attendez pas à une réponse cet après-midi. J'invite ceux qui voudraient en savoir plus à aller sur le blog libérer-samuel-lenoir.fr et vous mettez le tiret du 6 entre chaque élément. C'est bien de le dire, comme ça les gens pourront aller voir. Exactement. Vous verrez des vidéos et vous verrez surtout tous les courriers que j'ai adressés, notamment une lettre ouverte que j'ai adressée à tous les acteurs de ce dossier le 15 février dernier et la lettre que j'ai écrite à Mme Lalande, que j'ai également adressée sous forme de lettre ouverte, donc je la diffuse tout à fait légalement, et dans lequel je reprends son jugement. Et je vous invite à le lire et je vous invite à vous forger votre propre conviction de citoyen. Bien sûr. Parce qu'il est écrit quelque part que la justice est rendue au nom du peuple. Je vous invite à juger par vous-même. Petite opération de police, intimidation. Monsieur Morel, jeudi vous avez promis, lundi vous avez promis. Madame Trapp est au 25e jour de grève de la faim. Et votre réponse, alors que cette manifestation est déclarée, c'est de venir arrêter Monsieur Moreau qui, dans le cadre de cette manifestation déclarée, chante. Mais où est-on? Quel est le motif de l'interpellation de M. Moreau qui, dans le cadre d'une manifestation déclarée, chantait? C'était pacifique, c'est évident pour tout le monde, c'était respectueux de la loi, sauf si on nous dit en quoi nous aurions, à notre insu, dérogé à une règle, et dans ce cas-là, nous aurions immédiatement fait le nécessaire pour que ça cesse. Juste pour dire que Patrick est sorti, bye. La faim, la fatigue et le froid, toutes les misères du monde, c'est pas mon amour que j'y crois. Mon héros me porte mon croix, et de leur vie, la nuit se fondre, et à perdre la justice, et lui, à ne savoir que vivre. À n'avoir que toi d'horizon, et ne connaître de saison que par la douleur du parti, aimer à perdre la raison. Ah, c'est toujours toi que l'on blesse, c'est toujours ton miroir brisé, mon pauvre bonheur, ma faiblesse. Toi qu'on insulte et qu'on délaisse, dans toute chair martyrisée, aimer à perdre la raison, et à ne savoir que vivre, à n'avoir que toi d'horizon, et ne connaître de saison. Même le soleil est sorti. Que par la douleur du parti, aimer à perdre la raison. Le soleil est sorti maintenant.